Hello, hello. Alors, je voulais vous proposer, en fait, en ces temps de confinement, de créer voilà, un petit atelier, en fait, quotidien, si j'y arrive, de le faire tous les jours, un petit atelier quotidien pour créer votre fleur de vie. Alors, ben, avant de créer la fleur de vie, je voulais commencer par le commencement, c'est-à-dire ben, créer une graine de vie. Et donc voilà, je vous propose de créer votre graine de vie. Vous pourrez ensuite la mettre en couleur, la publier sur la page Indigo Création. Et comme ça, tout le monde verra vos belles créations. Voilà, donc voilà ce que c'est une graine de vie. Donc celle-là, bon, bah, elle a été mise en couleur déjà. Et on va voir comment la tracer. Alors, pour tracer une graine de vie, on a besoin d'un compas. Si vous avez qu'un compas, c'est très bien. Une règle et un crayon. Alors, je vais prendre le milieu de ma page. Voilà, à quelque chose près. Et je calcule la moitié de la moitié. À peu près. Donc là, admettons, j'ai 10 cm, la moitié c'est 5, donc l'écartement de mon compas va faire 5 ou moins. Voilà, donc là je peux augmenter, on va prendre 4, à peu près 4, c'est très bien. Et là, on va pouvoir commencer à tracer. Donc du centre de ma feuille, je vais tracer un premier cercle. Voilà. Donc le premier cercle qui vient tout de suite après l'unité. D'abord on a le point qui est l'unité et le cercle qui représente la cellule. Ensuite on va pointer le compas au sommet, en haut on va dire, du cercle et tracer un second cercle. Et là, on obtient une forme intéressante qui est la vesica piscis. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les traits de crayon. On a cette forme-là qui s'appelle la vesica piscis. En latin, ça veut dire vessie de poisson. On l'appelle aussi mandorle ou amande. Et certains disent que cette forme représente l'utérus de la femme ou la yoni. Et parallèlement, on peut dire que c'est aussi l'utérus de l'univers, le portail entre le monde divin et matériel. Voilà, on représente souvent dans la religion des saints à l'intérieur de cette forme. On la voit, voilà, on la voit souvent. Si vous observerez, vous verrez, on peut la voir un peu partout. Ensuite, je pointe mon compas ben, tout simplement à l'intersection des deux cercles et je viens faire un troisième cercle. Voilà. Et là, nous avons une forme qui apparaît qui s'appelle le triquetra ou les anneaux borroméens. Voilà, donc ce symbole est un symbole fort. Puisqu'il symbolise la force et l'unité. Parce que les trois cercles sont en équilibre parfait. On peut aussi distinguer trois vésica piscis. Voilà, donc il n'y a pas un cercle au-dessus d'un autre ou plus grand qu'un autre. Voilà, c'est le parfait équilibre. On retrouve ce symbole utilisé pour des logos. Par exemple, les logos de sociétés ou des campus universitaires, etc. Il est aussi utilisé dans le spectre lumineux, spectre des couleurs, pour le mélange des couleurs, les trois couleurs primaires et leur mélange. On le retrouve sur des pierres runiques en Europe du Nord, sur des monnaies germaniques anciennes et dans l'art celtique. Il est à l'origine du triskel, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un peu la même énergie que le triskel,
ou le même, on va dire, la même schématique sur 3. Voilà. Donc la Trinité, enfin voilà, on peut tout ce qui est par 3, on le retrouve. Et donc, on continue donc à tracer la graine de vie. Alors, l'idée, c'est après le premier cercle, de tracer le premier cercle, puis le deuxième cercle, et de continuer dans le même sens. Pourquoi continuer dans le même sens? Parce qu'en fait, en traçant la graine de vie, ça crée un vortex, tout simplement, déjà. Donc voilà le quatrième cercle, le cinquième cercle, le sixième cercle, et le septième cercle, nous avons là notre graine de vie. Voilà, la graine de vie entière. Entièrement dessinée. Et donc, cette graine de vie représente les 7 jours de la création, les 7 chakras, les 7 couleurs, les 7 notes de musique, etc., etc. On a 7 glandes dans le corps. Voilà, il y a tout ce qui est symbolique par 7, les 7 jours de la genèse. Voilà, beaucoup, beaucoup de choses sont représentées dans cette graine de vie. Cette graine de vie agit, vous avez compris, sur les cellules. Déjà, en traçant cette graine de vie, vous allez avoir une action sur vos propres cellules. Si en plus vous le faites en conscience et que vous vous créez un petit espace vibratoire avec, par exemple, une musique, une bougie, un encens, des petits minéraux, voilà, vous créez un petit espace vibratoire pour dessiner votre graine de vie, vous allez en ressentir pleinement les bienfaits, d'autant plus si vous la mettez en couleur après, ce que je vous invite fortement à faire. Ben voilà, j'espère que ce petit atelier vous a plu, vous a éclairé sur la graine de vie. Je vais voir si vous avez posté des questions ou des commentaires. Bonjour. Et ben voilà. C'est tout pour ce petit atelier. Je vous donne rendez-vous ce soir pour un live sur l'utilisation de la fleur de vie. Là, vous pouvez poser vos questions en amont ou sur le moment. J'essaierai de répondre à vos questions voilà, dans la mesure de mes capacités, de mes connaissances. Et je vous dis donc à ce soir et puis à demain pour la suite du tracé de la fleur de vie. À bientôt, belle journée.